Donc l'indice de confiance et de bien-être basé sur la perception des conditions de vie de nos concitoyens est en baisse cette année, en 2018, par rapport à 2017. 2017 avait été une année un peu particulière où une sorte de bulle liée à l'élection présidentielle, un enthousiasme, un optimisme avait fait progresser cet indice et aujourd'hui on est revenu en deçà de ce qu'il était en 2016 avec une note inférieure à 60 sur 100. Alors le point qui paraît le plus préoccupant, c'est la tendance au repli sur soi, le repli sur la famille, le repli sur le médecin généraliste. En dehors de ça, tous les autres indicateurs sont en baisse, et notamment une baisse sur la perception des corps constitués, les associations, les mutuelles, les syndicats bien entendu, mais aussi les partis politiques, avec parfois de très fortes baisses. Et donc ce repli sur soi, sur la cellule familiale, peut paraître préoccupant pour l'avenir. Alors je ne sais pas si on peut parler de satisfaction, mais ce qui est important, c'est qu'il y a des éléments sur lesquels on peut baser une politique, baser un discours et mettre en place des points où on peut progresser avec nos concitoyens, hein, quand ils parlent de la santé qui se dégrade, voire de l'accès aux soins qui se dégrade, je pense qu'on a des moyens de progression. Quand ils disent qu'ils ont peur de ne pas pouvoir s'occuper des proches, je pense notamment aux aidants familiaux dans le cadre de la perte d'autonomie ou de leurs enfants pour l'accès à l'emploi, eh bien là, je pense qu'on a des leviers importants qu'on peut actionner pour essayer de faire progresser cet indice à l'avenir.